Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai mis mon petit pull de Noël pour l'occasion avec le petit Père Noël recherché. Je me suis dit que c'était de circonstance. En plus j'ai froid, il pleut dehors, il fait trop moche. J'ai allumé une petite cheminée pour être bien au chaud. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir un nouveau calendrier de l'Avent de la marque Inuit. Voilà, je ne connaissais pas du tout cette marque. Je n'ai jamais entendu parler, c'est une marque vegan apparemment. Mais regardez, c'est des produits coréens. Regardez comme il est beau, il brille de mille feux, c'est tout est holographique, c'est joli, il est énorme. Vraiment, il est trop grand, c'est trop joli. Bon, je viens de jeter un œil derrière, c'est marqué ce qu'il y a dedans, donc je vais pas regarder, je veux pas me faire spoiler. Mais il est trop joli, non? Avec le petit pain d'épices, le petit bonhomme de neige et tout, là, franchement, l'effet holographique, j'adore. Donc, bah écoutez, c'est parti. Donc, je l'ai acheté sur l'application de choses lors de la vente privée de calendrier de l'Avent. Donc, j'avais acheté le Body Shop et celui-ci, et voilà, donc on va l'ouvrir. Donc vous avez le petit nœud à ouvrir pour pouvoir débloquer les deux portes, parce que c'est un catalogue qui s'ouvre comme un calendrier qui s'ouvre comme ceci, et voilà, il est immense. Je vais être obligée de le mettre plus loin. Regardez comme c'est beau, j'adore. Il est tranché, donc c'est exactement le même dessin que devant, mais à l'intérieur, ça c'est un peu dommage. Mais le temps, c'est une catastrophe. Oh là là, il pleut à verse. Faut que je retourne travailler tout à l'heure. J'ai pas envie d'être trempée. Bon, revenons à des choses beaucoup plus sympas. Voilà, donc c'est dommage, c'est que c'est le même décor dedans que dehors. Bon, ça aurait été sympa de mettre autre chose à l'intérieur. Ça changeait un petit peu. Bon, par contre, c'est toujours aussi beau avec le côté holographique. Donc, ce sont des cases qui s'ouvrent, qui sont déjà incrustées dans le calendrier. Et c'est parti. Donc, le numéro 1, il est là. Ah, j'adore les packaging coréens en général, c'est toujours très mignon. Alors nous avons une crème parfumée pour les mains et ongles fraise des bois. Alors, regardez-moi ce petit packaging, c'est trop mignon, non? Regardez-moi cette mignonnerie, c'est un petit chat trop mignon, le petit packaging tout rose avec le petit chat. Donc on a 20 ml dedans et qu'est-ce que ça sent? Ah, il y a un petit truc pour protéger. Oh, ça sent. Ouh, c'est très très chimique. Ça sent la fraise, mais bah, ça sent la fraise Tagada. Voilà, c'est la fraise Tagada en crème pour les mains. Je suis pas sûre de vouloir me mettre quelque chose qui sent aussi fort sur les mains. Mais en tout cas, j'adore le packaging, il est trop beau. À voir. Le numéro 2. Alors, qu'est-ce que c'est? Vegan Poetry. Oh, oh, Holy Nights. Qu'est-ce que c'est? C'est une blague. C'est une petite carte en fait. Mot doux du jour. Bon, en fait, on s'en fout, non? Une petite carte. Pire, si je veux offrir une carte, je vais l'acheter, mais dans un calendrier de l'Avent, c'est non, en fait. Non, on veut des produits de beauté. Vegan, poétique, beauty. On veut pas des cartes. Nul. Suivant, numéro 3. J'espère qu'il va y avoir beaucoup de choses comme ça parce que je vais être très déçue. Hein. Je ne sais plus combien je l'ai payé, je le mettrai dans la barre d'infos. Alors, le 3, c'est un accessoire et c'est un petit coton démaquillant. Voilà, voilà. C'est très très mou, c'est très agréable. C'est tout doux. Donc pourquoi pas, il y a exactement les mêmes sur Shein parce que j'en ai déjà acheté. Donc tous les petits cotons réutilisables, tout ça, j'aime bien parce que ça sert vraiment, c'est pratique. Le numéro 4. Il faut que je fasse attention parce que je vois que j'ai plus beaucoup de batterie. Ah, il est là. C'est un gel douche à la fleur d'oranger. Ah, ça c'est sympa. Et c'est du 20 ml. Alors, c'est un petit peu plus petit que ceux du Body Shop. Mais c'est bon. Ouh. Ah oui, ça sent très bon la fleur d'oranger. Ah oui, ça sent très très bon. Ça, j'aime bien. C'est un petit peu petit, mais dans un calendrier de l'Avent, ça va, je trouve. Le numéro 5, il est là. Trop mignon, c'est quoi? C'est en forme de donut. Ça doit être une bombe pour le bain, ça, je pense. Ouais, c'est ça, c'est une bombe pour le bain à la vanille. Ça, c'est cool. Ça, c'est très mignon. Ma fille va adorer. Ça, c'est sympa. Voilà, un petit donut, c'est très très mignon. Et pour le bain, on adore. Les produits pour le bain, moi, j'aime bien. Le numéro 6. Oh, ça doit être un crayon ou un truc comme ça. Ah, bah, je me suis pas trompée, c'est un crayon. Il est tombé dans un autre compartiment. Bon, bah, je vous le montrerai tout à l'heure parce qu'il est tombé dans
il est tombé dans un autre compartiment. Ça c'était le 6. Donc le numéro 7, c'est une grosse case. Oh non, c'est pas encore une carte. Ah si c'est encore une carte, franchement c'est abusé hein. C'est des produits beauté coréens et on nous met des cartes, la papeterie quoi. Si je voulais un calendrier de l'Avent papeterie, j'aurais acheté un calendrier de l'Avent papeterie. Ouais c'est ça, c'est encore une carte. Voilà, modo du jour, une petite carte. Super. Le numéro 8. Ah, je suis déçue, je suis très déçue pour l'instant. Alors, nous avons encore une bombe de bain, mais cette fois à la barbe à papa et elle est jaune. Ça, j'aime bien, ça ne me dérange pas, c'est sympa. Le numéro 9. Alors ça, c'est un petit sapin en bois avec un petit nœud. Voilà. Donc ça, à la limite, c'est dans le thème. Ça peut aller sur un sapin, pourquoi pas. Voilà, à la limite. On en voit quand même pas régulièrement dans les calendriers de l'Avent de beauté, mais pourquoi pas. Moi, ça va pas me servir, mais on sait jamais. Si ça peut vous, si vous aimez ce genre de petite déco, tant mieux. Moi, ça va pas me servir. Mais bon, c'était le combien, ça, le 9. Le 10. Ah, il est là, le crayon. Je l'ai retrouvé. Voilà, c'est un crayon, mais un crayon à papier, hein, vraiment. Donc, c'est un calendrier de l'Avent de beauté ou un calendrier de l'Avent de papeterie inouette. Voilà, super. Je suis ravie d'avoir un crayon à papier dans mon calendrier de l'Avent beauté. Voilà. Alors, le numéro 10, on en était là. Qu'est-ce que c'est? Ah bah, c'est une gomme. Non, mais je me suis trompée. C'est pas un calendrier de l'Avent de beauté. C'est pas possible. J'ai une gomme sous forme de mini brique de lait avec des fraises dessus. Non, mais sérieusement. Je vais pouvoir écrire des belles cartes pour Noël. C'est super. Hein? C'est super. Oh, je suis déçue, de toute façon ça va se voir, je sais pas cacher quand, je suis pas contente, je sais pas, je ne sais pas. Le numéro 11. Je vais aller retourner voir la description du truc parce que là j'ai loupé quelque chose, je pense. Parce que pour l'instant, on n'a pas grand chose de beauté, hein. On a deux bombes de bain, un gel douche, une crème pour les mains. Voilà, mais on a deux cartes, un sapin, un crayon, une gomme. Ah oui, puis on a un coton démaquillant. Ensuite, nous avons un gel douche à la barbe à papa. Donc ça, ok, ça, je suis d'accord. Bon, ouais, ils sont bons, mais l'odeur est pas très forte. Donc pour ceux qui sont sensibles au parfum, ça vous ira bien parce que l'odeur est pas trop entêtante. Donc ça, c'est bien. Le numéro, c'était le combien celui-là? Le 11, le 12, le 12, le 12, il est là. Encore une petite bombe de bain et ça c'est à la vanille, encore, c'est encore à la vanille sauf que celui-là il est violet alors que l'autre était rose. Bon, ça me dérange pas, j'aime bien les produits pour le bain, j'en achète pas souvent donc j'aime bien quand je les reçois comme ça, c'est agréable, ma fille adore. Le numéro 13, il est juste en dessous. Alors c'est quoi ça? Un porte-clé inouette. Voilà. Bon, ça peut être joli hein. Vous mettez ça sur vos clés, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas quoi. Je crois que j'ai même pas avoir besoin de parler. Vous allez voir à ma tête quand je suis contente ou quand je suis pas contente. Le numéro 14. Encore une bombe de bain, on l'avait pas encore eu en bleu. Encore à la barbe à papa. Mais ils auront au moins pu mettre un parfum différent à chaque couleur. Oh non, on va dire que je suis tout le temps en train de me plaindre après. Voilà, donc on a le rose, le violet, le jaune et le bleu. Donc je pense qu'on a fait tout, on a peut-être pas fait encore toutes les couleurs, à voir. Le 15. Alors le 15, nous avons des élastiques. Donc un, des bubbles, comment ça s'appelle déjà ceux-là? Les bubbles quelque chose, non? Je sais plus, c'est un nom ces élastiques-là. Vous savez ceux qui font pas de traces normalement sur les cheveux. Donc un violet et un blanc nacré un peu. Ils sont jolis hein. Ça c'est ça ok, c'est des accessoires de beauté. Je suis d'accord, on peut les avoir dans un calendrier de l'Avent de beauté. Ça me dérange pas. Puis on manque jamais d'élastiques, surtout quand on a des enfants. Donc ça ok, je suis d'accord. Le numéro 16. Ah, Beauty Blender. Ça oui. Il est beau en plus, regardez le dégradé de rose comme il est beau. Il est bien mou, bien... Ah, j'adore. Il a l'air pas mal, hein. Oh,
J'aime trop le dégradé, c'est joli. Pourquoi on n'a pas que des trucs comme ça, là, plutôt que de la papeterie, là, franchement. Ça, j'adore, j'aime bien. Le 17, ne me décevez pas pour le 24, Inouette. Une lime à ongles, ça, je suis... Ok, je comprends. Elle est très belle en plus, elle est rose à paillettes, elle brille de mille feux, et de l'autre côté c'est noir. Mais ça je comprends, dans un calendrier de l'Avent, alors du coup j'imagine qu'on va avoir un vernis à un moment donné, mais ça je comprends, je suis d'accord, ça les limes à ongles, ok. Le 18. Le fameux miroir qu'on a dans chaque calendrier de l'Avent de beauté. Ah, ça, je vous le mettrai dans un concours, hein, parce que j'en ai 36 000. In Unicorn We Trust. Oh, il est joli, hein, il est très mignon. Pour un enfant, je pense qu'une petite fille, ça va forcément lui plaire. Il est très, très joli. Avec l'effet holographique, il est très sympa. Moi, j'en ai 10 000, des miroirs. Donc ça, je vais vous le mettre dans un concours. Hein. Ensuite, le 19, il est là. Ah, bah, il n'y a plus rien. Elle a glissé là, ok. On a ça. Je sais pas ce que c'est. C'est un espèce de feuille buvard en forme de ronde avec des cratères comme sur la lune. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais regarder après sur la boîte, mais je ne vais pas me faire spoiler, alors je vais le regarder en dernier. Je ne sais pas ce que c'est. Ça sent bon en tout cas, c'est peut-être à mettre dans le bain et ça se dissout, je ne sais pas, je ne connais pas. Le vin, il est là. Oh. Bah écoutez, j'ai un chouchou, mais qui est déjà déchiré. Voilà. Voilà, j'ai un chouchou déchiré. Donc c'est dommage parce que le côté holographique était très sympa. Mais alors, oh, ça fait tellement cheap. Vous avez le tissu est hyper désagréable et à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, on voit en voilà en transparence, on voit le vieil élastique là, tout moche. Ouais, là vraiment zéro, hein. Zéro Inouette. Le machin, il est complètement... Et il va... vous n'allez pas me dire qu'il s'est cassé dans le calendrier de l'avant. Regardez, il se dépiausse totalement. C'est vraiment de la qualité médiocre. Hein. Donc ça, poubelle. Le numéro 21. Alors, c'est encore un petit chat. C'est une crème parfumée pour les mains encore. Alors là, c'est la cerise. Voilà, tout mignon, le petit chat. Le petit packaging, ça, j'aime beaucoup. Il est très, très joli. Ça sent bon. Oh, la cerise, il sent trop bon. Vraiment... Ça, j'aime bien l'odeur. J'adore l'odeur. C'est très agréable. Le 22, on arrive bientôt à la fin. Ah bah, nous avons une fleur de douche, comme dans le calendrier de l'Avent de... Comment dire, The Body Shop. Voilà, donc ça, je vais vous la mettre pareil dans un concours, parce que bah du coup, j'en ai plusieurs, donc ça va pas me servir à grand-chose. Le 23, on arrive à la fin, attention. Oh, c'est quoi? Oh, ça a l'air mignon, quand même. C'est des barrettes. Je pense que c'est plus enfantin comme calendrier de l'Avent que pour adultes. Hein, parce que quand je vois tout ce qu'il y a, ça fait plus enfant. C'est des barrettes arc-en-ciel. Regardez. Ma fille va être adorée. Ma fille va adorer ça. Deux petites barrettes à mettre dans les cheveux arc-en-ciel. Donc ça va être pour elle. Elle va être trop contente. Mais un adulte qui a... Je me vois pas mettre ça dans mes cheveux. C'est très mignon. Hein. Franchement, c'est très très mignon. Mais c'est pour enfants. Non mais je vais vérifier que c'est pas un calendrier pour enfants parce que là... Ah pour enfants c'est top hein, par contre j'ai rien à dire, pour enfants c'est génial. La petite gomme, le petit crayon pour aller à l'école, parfait hein, les petites bombes de bain en forme de donut, c'est très mignon. Pour adultes ça fait quand même très enfantin, après c'est coréen, hein. C'est très très enfantin, souvent les packagings coréens. Et on en était au 23, donc le 24, ben, je vais être déçue pour le 24. Voilà, petite voiture en bois qui va avec, avec le sapin. Mais en plus, il n'y a même pas de quoi l'accrocher au sapin. Il y a juste un petit nœud. Il n'y a même pas de quoi mettre une boule de Noël et l'accrocher au sapin, quoi. Une voiture rose, ouais. C'est peut-être l'emblème de la marque Inuette, je ne sais pas. Oh, je suis déçue. Je crois que c'est le pire calendrier que j'ai eu depuis le début. Vraiment, là, c'est dommage parce qu'il était très prometteur, il était très beau. Hein. Alors, c'était quoi le numéro... Micro, éponge microfibre. Une éponge microfibre, ça? Je vais la mouiller pour voir. Alors oui, une fois mouillée, c'est une éponge. Voilà, c'est une éponge. Est-ce que c'est une éponge pour se laver le visage? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Là, vraiment,
J'ai wooden déco, décoration en bois, gomme, porte-clés, déco sapin. Bah déco sapin, non, ça ne peut pas s'accrocher sur le sapin, donc... Ou alors il faut enlever le petit nœud pour après l'accrocher au sapin, mais du coup c'est moins joli sans le petit nœud. Je sais pas. Ouais, carte, bah ouais, bah c'est ça, donc ouais, bah écoutez... Voilà quoi, ça va s'arrêter là. Ah, je suis tellement déçue. Ah, je mettais tellement d'espoir dans ce calendrier de l'Avent coréen, je m'attendais à avoir plein de super produits, hyper mignons, hyper sympas. Alors, tout est très mignon. Ça, je peux pas revenir dessus. Le Beauty Blender rose, comme ça, il est magnifique. Les petits donuts pour le bain, ça, c'est trop mignon. Enfin, ma fille va adorer mettre ça dans le bain. Enfin, si ça colore de bain, c'est parfait. Si ça le parfume, c'est bien. Les petites crèmes, elles sont trop mignonnes, les petites crèmes pour les mains. Les petits gels douche, pareil, ils sont le packaging est... Pardon. Le packaging est assez mignon, les élastiques ils sont beaux, ça c'est joli, les petites barrettes, bah, ça va adorer quoi. Et ça on est d'accord, le seul bémol c'est le chouchou qui est cassé et du coup qui est inutile, donc ça fait une case en moins. Mais en fait le côté papeterie, je comprends pas trop ce que ça vient foutre dans un calendrier de l'Avent de beauté. Je vois pas, le déco en bois à la limite c'est en rapport avec Noël. Mais tout le reste, des cartes, un porte-clés, une gomme, un crayon... Là, il faut m'expliquer le principe, en fait, j'ai pas compris. Alors, elle va être contente, hein. Ça va finir dans sa trousse, la gomme et le crayon. Mais les cartes, clairement, je vais pas m'en servir, j'en vois pas de cartes. Donc, elle va peut-être vouloir écrire des cartes à ses copines. Bon, le porte-clés, à la limite, ça va finir sur mes clés de boulot, parce que voilà, je vais pas le jeter, mais... Ah, je suis quand même déçue. Je m'attendais... Enfin, je sais pas, je savais pas trop à quoi m'attendre, hein, clairement, parce que c'est une marque que je ne connais pas du tout. Je l'ai vraiment pris pour tester et voir ce que cette marque faisait. Alors, c'est très enfantin, c'est très mignon, c'est très, très cute, très... Comment on appelle ça ça a un nom là, comment on dit ça? C'est très kawaii, voilà. C'est très kawaii. Mais voilà quoi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas servir. Donc c'est vraiment dommage. Je vais revoir le prix auquel je l'ai payé, puis je vais voir si vraiment ça vaut le coup. Mais je suis contente de l'avoir en vente privée, de ne pas l'avoir payé plein pot. Bon, je suis sur le site de Nocibé parce que c'est revendu par Nocibé et ils font des baumes. Ils font des petits baumes pour les lèvres. Pourquoi ils nous ont pas mis ce genre de truc? J'aurais tellement préféré avoir ça plutôt qu'une carte papeterie là qui va jamais me servir. Duo Malais, vernis trio de vernis, coffret de vernis, coffret de 4 bombes pour le bain, mini crème pour les mains, donc ça on les a eu. Ah oui, le calendrier de l'Avent il coûte quand même 40 euros. Je l'ai pas payé 40 euros, moi je l'ai eu moins cher que ça. 40 euros, je trouve que ça fait cher. Oh non, quoique. Quoique, on a quand même deux petits gels douche, deux crèmes pour les mains, quatre bons pour le bain, plein d'accessoires beauté, un beauty blender, des petites barrettes. Bon, à la limite, 40 euros. Mais 40 euros, je m'attends pas à avoir des... C'est quand même un budget, quand même, 40 euros. Tout le monde ne peut pas mettre 40 euros dans un calendrier de l'Avent. Alors, se retrouver avec un crayon à papier, une gomme et des cartes papeterie, alors qu'on achète à la base un calendrier pour des produits de beauté, je trouve ça vraiment dommage, quoi. Ils font plein de trucs sympas, en plus, c'est très mignon. C'est quand même marqué pour tout type de peau, voilà, sur le calendrier de l'Avent. Donc je suis désolée, on s'attend pas à avoir de la papeterie. Donc voilà, bon bref, je suis allée un peu voir ce qu'ils faisaient. Donc voilà, ils font plein de petits trucs de beauté, kawaii, à aucun moment ils font de la papeterie ou quoi que ce soit. Donc qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Alors c'est des petits goodies en plus, mais en goodies on a le miroir, la fleur de douche, on a la micro-éponge, ça je vais jamais m'en servir, ça finira à la poubelle. Et on a les élastiques, le beauty blender, les barrettes, qu'est-ce que la papeterie vient faire là-dedans? Enfin, je suis vraiment déçue de ce côté la papeterie, parce que c'est vraiment rien à voir avec la beauté. Et du coup, nous, on achète un produit, un calendrier de l'Avent beauté, vegan. C'est pour découvrir des produits de beauté vegan, pas pour avoir un crayon à papier, quoi. Donc vraiment, ma plus grosse déception, c'est ça, quoi. C'est ça, et les deux petites cartes, je ne comprends pas le principe. Pour moi, c'est des cases de perdu, quoi. C'est de l'argent foutu en l'air. Alors oui, certes, on gagne quand même de l'argent quand on achète le calendrier de l'Avent plutôt que d'acheter les produits séparément. Mais là, je suis vraiment trop déçue. Et c'est dommage parce que tout le reste est très mignon, très sympa. Je vais l'utiliser sans problème. Il y a juste ça, je ne comprends pas le principe en fait. Dites-moi si c'est moi qui abuse, si c'est moi qui en fais trop, si je suis trop exigeante envers les calendriers de l'Avent, je sais pas. J'ai l'impression que je suis peut-être un peu trop exigeante, je sais pas trop. Mais dites-moi ce que vous en pensez. J'attends votre avis avec impatience dans les commentaires.
pour savoir si c'est moi qui abuse ou si vous pensez la même chose que moi. Bon bah écoutez, ça va être tout pour ce calendrier de l'Avent. Dans l'ensemble, je trouve très joli esthétiquement, il est très sympa, il est très beau. Les petits produits kawaii sont super sympas, j'ai hâte de les utiliser, j'ai hâte de voir si ça fonctionne, j'ai hâte d'utiliser le gel douche pour voir la texture et si l'odeur tient sur la peau. Pareil pour les petites crèmes pour les mains, je pense que je vais en mettre tout de suite d'ailleurs parce que je commence à avoir les mains sèches. Donc voilà, j'ai hâte de les utiliser. De toute façon, je vous ferai un retour soit dans les produits terminés, soit dans mes favoris, soit dans mes flops, enfin vous verrez bien sur YouTube. Continuez à me suivre et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos où je peux parler éventuellement de ces produits. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !